Bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hollow Knight, nous sommes à l'épisode 34. Donc c'est bon, cette série a officiellement dépassé Sekiro qui était à 33 épisodes, là on a 34, voilà, c'est juste énorme. Alors j'aimerais préciser quelques trucs avant de commencer. Alors je me suis renseigné au niveau des 3 rêveurs, parce que vu que j'ai tué les 3 rêveurs, j'avais peur de retourner à l'endroit, bah je vais vous montrer sur la carte. À cet endroit ici, voilà, là au milieu, là où il y a l'espèce de tête noire, pour apporter les... Parce qu'on a vu que c'était ici qu'il fallait aller à un moment, quand on aurait tué les 3 rêveurs. J'avais peur que ce serait la fin du jeu, et j'ai eu raison, parce que c'est effectivement la fin du jeu quand on va là-bas. Bon, là, on aura la mauvaise fin, apparemment, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas lu plus loin, hein. j'ai pas eu envie de me le spoiler, je voulais juste savoir si c'était la fin du jeu, si on finissait comme ça. Donc on peut dorénavant finir le jeu directement. Ce qui me semble bizarre, c'est qu'on peut finir le jeu sans avoir débloqué le truc qui permet de passer à travers les trucs noirs. Bon, soit, c'est bizarre. Donc à mon avis, il y a encore pas mal de choses à explorer dans ce jeu et on commence tout de suite ici. Parce que là je suis arrivé dans un endroit qui s'appelle la Tour de l'Amour. Parce que je m'étais dit, vous souvenez, j'avais déjà dit que j'aurais exploré cet endroit de toute façon frontière du royaume. Parce que j'avais dit que j'avais l'impression d'être passé un peu à l'arrache au niveau de cette zone. Et j'ai bien fait parce que je viens d'arriver, oui, je suis descendu par en haut là, au niveau du Colisée des Fous. Je suis redescendu et puis je suis arrivé dans un endroit, je pense que j'ai jamais été ici. Hein. Attendez, je vais vous remontrer. C'est quand on est dans l'espèce de grande tour, putain, je me fais toucher par ça, sans déconner, vraiment, deux fois. Je suis en train d'expliquer, merde, respecte-moi. Alors, je suis arrivé de par en haut, voilà, je suis redescendu. Et j'étais à gauche ici, pour apparemment ça me ramenait à la cité des larmes, et en fait ça me ramène ici à la tour de l'amour. Et vous vous en rappelez, j'ai une clé qui s'appelle la clé de l'amour, donc à mon avis, voilà. On va voir ce que ça donne. Nouvelle zone, les amis. Zone qui doit... En fait, à partir de maintenant, tout le reste, c'est optionnel. C'est ça qui est ouf. Ce jeu, t'as l'impression que tu fais des trucs qui font partie de l'histoire principale, alors qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est de l'annexe. Je trouve ça dingue. Très malsain, en tout cas, cette personne qui arrête pas de rire, là. Extrêmement bizarre. Si t'as pas un truc, je vais pas être prêt. Si ça, c'est pas une salle de boss. Le collectionneur. T'as l'air un peu casse-couille, toi, non? Il me l'a juste des ennemis dans la tronche, en fait, c'est ça ton bail. Bon, si tu fais juste ça, ça me va, moi. Hein. Il m'a pas encore touché, brave Jean. Hein. Putain, arrête tes conneries, tu me fais bader, enfoiré. On dirait un tueur en série, bordel. Ah, premier hit que je me prends. Ouais, mais encore. Comparé aux autres boss que je me suis tapé, t'es un peu nul à chier, toi, hein. Heureusement que j'osse tout. Ouais. Rien de bien sorcier pour l'instant. Allez, meurs, saloperie. Ok, très bien. Bon. Oh. Oh, il y a forcément un mimique, là. Pour l'instant, non.
Purée, il avait 3 verres cet enculé. Vraiment. Mais quel bâtard. Carte du collectionneur. Maintenir EB pour afficher une carte, la zone actuelle, les emplacements des laves en prison. Ah, excellent. Ah, si je veux, je peux carrément faire tous les verres, quoi. Attends, ça va aider l'exploration, ça, putain. Ça va me donner tous les secrets, quoi. C'est génial. Bon, j'ai pas fait ça en vain, du coup. Bon, ambiance assez sympathique, hein. On commence bien la vidéo, c'est sympa. Faudra vraiment que je retourne voir le roi des verres là, parce que putain, il va me donner, il va me saucer. Ah là 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 là, mais putain, mais bourré. Je vais quand même aller voir sur la droite, hein. J'ai l'impression que j'ai raté des trucs, désagréable impression. Mais déjà pourquoi il y a ça quoi, enfin normalement j'aurais dû tous les choper, ça a pas été le cas. Quoi? Et j'ai... Et cette zone, je suis passé vraiment en travers, hein, c'est un truc de malade, hein. Tout est en haut. Je rate des arbres et tout, putain, mais quel enfer. J'arrête à 2200, il me semble que c'est à 2400 que la vieille, il fallait que j'aille j'entends de la voir. Je dis pas de conneries. Allez, ta gueule. Allez, vite. Chope toutes ces putains d'orbes. Dégage la mouche. Comment ça rebondit, bordel. Je m'en fous. Prends le revenge dans la gueule. J'ai pas tout pris, hein, ça m'aurait étonné. On a un paquet, hein. C'est un bon petit arbre, ça. Tac, allez, hop. Trrr, connard. Ta gueule. Mais non, mais... Putain, il m'a cassé le cul. Ah, c'est génial, hein. C'est génial. Qu'est-ce qu'on se marre? Ah, j'ai vraiment pas tout chopé, j'ai dû en rater quelques-uns, c'est relou quoi. Est-ce que c'est une bonne chose que je viens de faire ou alors c'est de la merde? Non, c'est purement de la merde. Aïe aïe aïe, mais quelle angoisse. Cette zone est grande en plus, hein. C'est chiant. En remonter, j'ai pas le choix, hein. Ah, bordel de merde, putain. Et maintenant, je peux passer dans la suite des gars. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose? Je dirais que oui. Ta gueule, toi, tu me saoules. Vous me saoulez tous, ces ennemis-là, ils me saoulent. Putain de merde. Il y a de la exploration à faire, hein. Je suis sûr que j'ai raté plein de trucs, c'est horrible.
Ah, il y a plein de verres en bas, vous voyez, ouais, on voit les icônes de verres. Ah là là, quel plaisir. Il en reste deux, ah les enculés. Ah putain. C'est bien, c'est qu'on voit combien il en reste en fait. Comme ça tu vois quand tu te fais baiser. Bon, 2243, c'est pas dégueulasse. Faut pas se mentir, faut dire ce qui est. On va à la droite. Cache pas que j'ai surtout envie d'aller par en dessous, mais on va d'abord aller voir au-dessus ce qu'il y a. Je suis sûr que j'ai raté des trucs ici, c'est pas possible. Oh là 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 là, quelle angoisse de malade! Vos gueules. Allez hop, le soin. Tu sors d'où toi putain? T'as popé d'un coup là, putain. M'emmerde hein. Bon, ces ennemis là j'y arriverai jamais hein. Pour moi c'est les pires. C'est un truc de malade. C'est quoi ça bordel? C'est quoi ça? Bonjour. Oh, petite chose, tu grimpes très haut. Es-tu à la recherche du savoir que ces terres recèlent? Cet endroit cendreux est la tombe de Virm. J'ai entendu dire qu'il a perdu la vie depuis bien longtemps. Mais qu'est-ce que la mort pour cet être ancien? Je pense, moi, que c'est une transformation de plus. Sûrement, mon perdition est le produit de l'être engendré par cet événement. Est-ce toi qui joues avec ma queue? Ah oui, c'est lui, je m'en rappelle. Mon repos est quelque peu perturbé, mais je trouve cette sensation pas désagréable. Oh, quand on joue avec ta queue, t'es content? Ok. Bon. Ça pouvait être sorti sans contexte. Bon, c'est pas grave, allez. Petite chose, oh, c'est la marque de firme que tu portes là. Oh, ce changement que tu cherches. Peut-être souhaites-tu sauver ses ruines. Ce choix t'appartient, ce sont toujours les plus petites créatures qui tentent les plus grandes choses. Cette pluie de cendres, c'est n'être autre que la peau de la dépouille en décomposition du firme, sans fin, paisible, triste. Avec ce temps d'espèce disparu, le monde est maintenant plus petit. Je ne surprise pas, je suis un Wyrm. Oh, trop petit, je possède trop de membres et aucun de mes clairvoyances comme ces vieilles choses. Putain, on apprend plein de lore, hein. J'ai grimpé jusqu'ici pour trouver un havre de paix, loin de toutes ces créatures cracheuses. Oui, tout en haut, loin de ces esprits simples, perdus de la lumière. Il existe un autre sort d'union, rejet de la tentative d'ordre de Wyrm. Je résiste aux attraits de la lumière. Pour l'union, l'instinct le plus bas, et ok, oui, mon renfort, tu commences à casser les couilles. Tu poursuis ton chemin? Oh, je tourne à mon repos. Quelque temps, sommeil, une saveur difficile. Certains préfèrent que leurs esprits ne soient pas espionnés, c'est assez troublant et envahissant. Ah d'accord. Bon, je te laisse tranquille mon pote. Bon, c'était beaucoup de lore du coup. C'est qu'on jouait avec sa queue lui, je m'en rappelle. Dit comme ça, ça fait bizarre, mais ouais, c'est le cas. Ah putain, sa mère. Encore un secret. Ah, c'est juste pour trouver des trucs bleus. Ok. Rien à droite, là. Ok, on sait qu'il y en a un, là, pour donner de la vie en plus. Bon, c'est toujours utile. C'est vrai que le papillon, en plus, nous l'indiquait, hein. C'est bien fait. Du coup, j'y pense, vu que j'ai bientôt fini le jeu, faudrait que je pense à faire le DLC du coup de la Grim Troop, du coup, avec Gérard Majax, là, qu'on avait vu, là, en rouge. Allez, je te fous la paix, va.
se taper l'acide là. Bah plouf, mais moi ça me fait plus rien. Je suis un bonhomme, je sens plus rien. Ouais, je sais que j'aime prendre des coups parce que c'est de la merde. Bizarrement, je commence à péter les plombs sur ce jeu quand je croise que ces ennemis-là. Hein. Sinon, le reste, ça va. Hein. Quand je tape des boss un peu plus ardus, mais c'est vrai qu'ils me saoulent. Hein. Vraiment, c'est un truc de malade. Oh là, mais putain, j'ai déjà perdu mes 3 quarts de vie gratos, là, à cause de conneries. Quel plaisir. Non, là-bas, on va à la carapace à un moment donné. On s'en rappelle, c'est pas... J'aurais peut-être jeté un oeil si j'ai raté un truc, mais je ne crois pas. Putain, mais je... Arrête de tomber. Ah là là, mais voilà, je prends des coups tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quel enfer. Ah putain. Cette marche d'erreur des enfers. Bon, y a rien ici. Ah ouais, bah c'est bien ça. Allez, vos gueules. On va descendre encore un peu. Je vais me faire percer le cul. C'est un festival. Ah oh, mais merde, hein, putain. J'en ai marre de prendre des coups à crever, là. C'est sauteur de merde. Bon. Oui, ça, je me rappelle qu'il y avait un truc noir, malheureusement pour nous, hein. Ok. Ah d'ailleurs, ça me fait penser, brave Jean. Voilà. Ça, on y retournera quand on aura débloqué ce truc de merde. Voilà. Bon, je vais voir si à gauche il y avait rien contre les murs, je sais pas. C'est un mur assez plat. Y'a moyen qu'il y ait des passages secrets de merde, non? Ouais, va bah dans les pics, ça m'arrangerait ça. Petit bâtard. Toi, tu disais quoi déjà? Rien? T'es mort, t'as plus d'esprit. On descend encore un petit chouïa. Encore. Tu sais qu'en bas c'est la ruche là, putain, ouais, c'est vrai. On n'y pense pas. Waouh! J'ai pas été par là! Il me dit rien, lui, le gros là. Oh, petit enfoiré. Putain, il m'a foutu la trouille, ce con. Ah, oui, je me le reprends en tombant, mais c'est pas vrai. Ouais, coup de samba, tu restes ici, hein. Tac. Ouais, non, j'ai pas été par ici, les gros, ils me disaient rien, je pensais pas, je crois que j'en ai pas croisé, hein. La seule fois que j'en ai croisé, c'était dans l'arène. Ah, mais bâtard, bah, putain, meurs. Eux, par contre, ils sont à tête chercheuse, ils nous suivent, quoi, c'est relou. Ça marque qu'il y a un banc, mais putain, ça marque que j'ai exploré aussi, mais j'ai jamais exploré cet endroit, c'est pas possible. Ça mène à un endroit à la con. À droite, ça a l'air d'être un endroit pour aller voir un sub. Y'a quoi là-dedans? Non. Toujours là, toi?
Comment tu trouvais ici au bout du monde? Oh, je sais pourquoi tu es ici, tu es venu apprendre l'art de l'aiguillon, légendaire maître d'aiguillon Oro. Selon la loi du grand maître d'aiguillon, je dois transmettre mes enseignements à tous ceux qui s'en sont dignes. Cependant, aucune loi ne m'interdit d'exiger un paiement en retour. Si tu souhaites réellement que je te prenne sous mon aile, prouve-le-moi avec tes géos. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qu'il m'a appris encore? Entaille éclair. Maintenir X pour canaliser l'énergie. Ou hacher tout en effectuant une ruée pour effectuer l'entaille éclair. D'accord. Mais c'est trop lent. Hein. Avouez que tu es un excellent disciple. Ton habileté avec ton aiguillon et à ta soif de devenir plus fort, tu me fais penser à mes frères. Je t'ai enseigné tout ce que je sais. Retourne dans le monde, voyageur, laisse-moi dans ma solitude. Bam. Ouais. Par contre, c'est beaucoup trop loin à charger, je trouve. Je vois pas l'intérêt, hein, clairement. Ces attaques, c'est vrai que je m'en sers très peu. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? C'est un épouvantail ou quoi? Plus fort, frère. Ah bon, ça... J'ai jamais été ici. Ok. Et il y a un verre. C'est la bonne nouvelle, non? Ouais, on peut passer par en dessous ici. Moi la paix, nom de Dieu. On essaie d'aller moins vite pour voir si on peut pas passer par en dessous encore. Faire casser le cul, bah oui, y en a beaucoup d'ennemis là. Et bordel, allez vous faire foutre. On remplit mes jauges, c'est bien. Ah putain, je donne tout ce que j'ai pour esquiver, ça ne suffit pas. Ah ouais, merde. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des pics, mais merde, mais lâche-moi toi. Regardez bien, je vais me faire casser le cul. Oh, tu me saoules, toi, un peu, hein. T'étais casse-couille, bordel. Oh là là, quel enfer. C'est quoi par là? Ah! Y'a trop d'endroits. Ah! Bah oui, évidemment. Putain, bordel de cul, quoi. Yes, c'était un vrai. Ce n'était pas un prank, hein. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi ils ont repopé ces connards là? Attends, vas-y, allez vous faire foutre. Quoi là-dedans? Ben, j'ai peur d'où je vais atterrir, hein, vraiment. Hein. Et putain, c'est infini. On peut encore descendre. Ah, parce que là, je commence à manquer de mana. Hein. C'était assez violent là, hein. La descente aux enfers là. J'ai peut-être raté des trucs, hein, d'ailleurs. J'ai peut-être remonté. Ouais, j'en étais sûr. Ouais, mais encore. Pourquoi y'a rien qui s'affiche? C'est de la merde.
Ouais. Ah, la taille de cette descente, bordel de merde. Bon bah écoutez, on va continuer hein. Ah oh, mais je peux plus des... Putain mais cette merde. Faut que j'aille me retaper des ennemis. C'est cool hein, je suis content. Ah je suis content. Putain de merde. Allez, on se pense que ça suffira là, non? Ils reviennent à chaque fois, donc c'est le bon bail. Ok, allez. On se fait plus baiser. Ah quoi? 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 Ça va te faire foutre. Ça descend où comme ça? Je vais me retrouver en Chine? Oh, ça me fait penser au bassin ancestral, mais putain, c'est trop loin, non? Et quoi ce bordel? Bon, par rapport à la carte? Mais non, mais je suis trop loin du bassin ancestral, c'est pas possible. Oula, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc de pognon là? Ils sont cinglés? Je suis où? Je comprends rien ce qui m'arrive. Où je suis là, bordel? C'est quoi cette descente de l'enfer que je me suis tapé? Putain! Tout ça pour ça, vraiment? Tout ça pour un paquet de pognon à la con dégueulasse? Une blague. Ouais, y a pas d'autre endroit où descendre, mais c'est une arnaque pas possible. Oh là là, je suis dégoûté, je pensais que j'avais trouvé un truc trop bien et tout, en fait non. Quelle baise intersidérale! Oh tant pis, hein. On va continuer à explorer la zone, apparemment il reste des verres à trouver donc... Je pense que je vais passer une bonne partie des vidéos là suivantes à chercher les verres, braves gens. Bon. Dommage. Tout ça pour un gros paquet de pognon, un gros tas de pognon. J'attendais à mieux, je vous avoue. Y'a rien, toujours rien, putain, c'est l'enfer. Je sais pas à quoi ça sert ce truc là, hein, vous avouerez. La musique va reprendre du coup. Oh, j'espère que le gros il a pas repopé. Et putain, je fais mourir. Non, ça, le gros. Reste décédé. Ah non, je me suis pris les pics. Fais chier. Allez, fou. Fallait doser. Ah, le gros moustique là, allez, viens mourir. Hop. Non, 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 non. Putain, pas comme ça.
Allez, tu meurs toi, casse pas les couilles. Bon, y a pas d'endroit à percer dans le sol. Je fais attention maintenant, hein. Bon, toi, je suis à côté de la ruche, hein. On entend les bourdonnements dégueulasses. Bah tiens, on les retrouve, eux. Amusant, ça. Ah, ça, c'est moins amusant, par contre. Un peu à la gauche. Ça me fait remonter par où, cette merde? Ah, je suis retombé, merde. Tu dis quoi? Il se passe quoi? Il y a une cinématique? Non, non, je suis retombé comme une grosse merde, en fait, c'est tout. Putain, c'est quoi cet ennemi de merde, là? Pur. En taille rapide. Un charme, donc. Là, je crois. Ouais, en taille rapide. Un charme formé de la fusion d'aiguillons imparfaits et d'abandonner ses aiguillons désire toujours être manié, permet à son porteur de manier plus rapidement. C'est-à-dire que je tape plus rapidement, c'est ça? C'est le feu? Attendez. Je dois regarder si je peux retirer des trucs, du coup. Mon truc, c'est ouais, c'est où je retire le... Ah d'accord, c'est où je retire ma portée, où je retire mon soin rapide. Ah putain, quel enfer. Bon, je vais opter pour retirer le soin rapide, du coup, on fera attention, hein. Bon, bah, dès que je trouve un truc pour m'asseoir, écoutez, bah, c'est parti, hein. Bon. C'est bizarre qu'on peut pas aller dans la ruche, hein. C'est très étrange. Merde. Non, 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 tombe pas, s'il te plaît. Je suis sûr qu'il y a un raccourci que j'ai pas trouvé dans la ruche, hein, qui nous ramène de ce côté, c'est pas possible autrement. Ah putain, ouais. Alors voilà lui, attention, casse-couille marne le retour. Des putains de sacs à PV en plus de par-dessus le marché. Ouais, là c'est bon, on retourne là où il y avait le truc noir. Je vais quand même revérifier là-bas si j'ai rien oublié. Je pense pas, hein. Sans jamais. Et quel chieur celui-là. Putain de sac à PV, hein. Au moins t'es enregistré dans mon bestiaire, connard. Ça te fera les pieds. Ah non, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. On va s'asseoir pour mettre à jour la map, peut-être. Ouais, ça me semble correct, hein. Écoutez, j'ai envie de dire. Même si je trouve que je suis descendu un peu trop à mon goût, à un moment donné. Ouais. Ah oui, du coup, l'entaille rapide, je vais tester. Je vais tester ça en remplaçant. Ouais, ça. On va voir. Ah ouais, putain de merde. Ah, tant pis pour le soin rapide, hein, je garde ça. Hein. C'est le feu, hein. Je vais en casser des culs avec ça, bordel. Ah, c'est énorme. Ok, par contre, est-ce que j'ai tout?
Bon, je vais retourner m'asseoir pour sauvegarder, du coup. Voilà. Et les amis, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, je pense qu'on essaiera de faire un peu des verres. Donc voilà, ça sera un peu le programme, histoire de voir ce que on aura comme récompense. Je pense qu'on va essayer de finir tout simplement ce qui reste à finir. Également de faire le Colisée également, il reste plein de choses à faire en tout cas sur ce jeu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt pour quand on fera la suite de ces choses-là. Allez, des bisous, ciao. Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter cette vidéo, car ton avis m'intéresse, mais en plus ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu veux rater aucun contenu, je t'invite alors à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à me suivre sur Twitter. Allez, à très bientôt.